Salut tout le monde, donc nous sommes partis pour faire un petit douche en bloc. Donc je vais vous montrer tout simplement comment il est simple, comment il permet les petites techniques. Donc moi je suis un SRAM, je vais utiliser mon personnage Mars Rocks. Donc comme vous pouvez le savoir, c'est ma toute première vidéo. Donc bon, je vais pas tarder, je vais vous présenter tout de suite mon personnage. Je me présente juste devant le donjon bloc. Alors j'ai pas une super connexion parce que je suis en Wi-Fi, donc je risque d'avoir des petits moments de lag. Donc je vais tout simplement, vous pouvez voir un petit peu, je suis niveau 151, donc c'est pas grand-chose non plus, mais ça peut permettre de vous montrer quelques petites techniques. Je vais vous faire des petits tutos Kamas, comment gagner des Kamas par métier, comment gagner par toutes choses, les drops, les percos, tout ce qui est tout ce qui que tout le monde quasiment connaît, mais comment le faire plus rapidement et plus facilement, comment arriver avant tout le monde, avant les autres, les archis, etc. Donc pour ceux qui débutent vraiment sur Dofus, il suffit tout simplement de me demander une vidéo qui explique comment XP. Donc ça, vous voyez, par exemple, c'est un truc assez chiant. Donc vous allez pouvoir voir donc, comment je tape avant. Super pour une vidéo de merde, je l'ai même pas tué. Comment dire Ah oui, je sais pas vraiment trop quoi dire parce que c'est ma première vidéo. Donc je suis un SRAM Terre. Donc SRAM Terre, je tape essentiellement avec avec Tech Mortel. J'ai des dagues toutes simples, hein, on va pas se tarder là-dessus. Hein. J'ai des dagues lacées, donc qui tape R, donc je m'en sers très rarement. J'ai la panneau Meu en entière pour le PA. La dragoon pourpre, j'ai les trophées, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Alors, donc oui, donc un petit retard de quelques minutes. Hein, ça c'est les petits mobs là qui sont devant le donjon. C'est super sympa. Donc, je voulais vous dire, je vais vous montrer un petit donjon bloc, donc qui est en moins 25, moins 17. Vous pouvez le faire à partir du niveau 80, je pense que c'est largement faisable. Utilisez le trousseau, tiens. Donc il y a 8 salles, non 6 salles il me semble, mais on va voir ça tout de suite. De toute façon, le donjon en lui-même est très très court, donc vous allez voir que c'est assez facile de dropper pour faire des clés, des morceaux. Hop, un petit peu invisible histoire de les faire chier. Oui, je fais pas l'échelle, hein. Moi je m'en fous un petit peu d'XP sur ce donjon. Surtout pour vous montrer théoriquement, enfin théoriquement, pour vous montrer globalement comment il est fait le donjon. Si vous ne le connaissez pas. Voilà, donc première salle, bon ben moi je suis quand même niveau 151, j'ai une certaine aisance là-dessus, mais bon, vous pouvez ne pas connaître, vous voyez, il y a toujours des THL qui le niveau 180 et 160 qui s'amusent à le faire, tout ça pour le drop, ou pour XP un petit perso niveau 60, ou 40, ou n'importe quel level, c'est facile, rapide, après on peut faire le multi, parce que c'est un donjon double en fait. À la fin de ce donjon, on aura le choix entre, il me semble, c'est oui, 4. 4. On aura le choix entre 4. 4 boss. Donc, ils ont des couleurs différentes. Il y a le Rainette, le Coco, le Indigo et le Griotte. Donc chacun a une résistance particulière en fait. On va dire le coco, lui, résiste à ses 90%, il me semble. Ouais, c'est ça.
90% un camas mais t'es variable 90% c'est R, ouais c'est ça, R. Et bon bah, moi je prends rarement le Raynet parce que c'est un peu chiant avec 90% terre. Après il y a Indigo, 90% résistance feu. Non, c'est l'inverse. Indigo c'est eau. Et c'est Raynet qui feu. Voilà, c'est ça. Non, c'est griotte qui feu, pardon. Et Indigo eau. Putain, mais je fais n'importe quoi là. Je tape pas fort. Bon. Sur ce. Après avoir fait une vente de métarier à bleu à un camage, je suis très riche. Hop, voilà. Donc nous sommes déjà à la troisième salle. Ça nous a pas pris longtemps. Et encore, je tarde un petit peu parce que je ne sais pas vraiment quoi dire à la vidéo. C'est vraiment juste pour montrer. Voilà. Hop. Ah oui, les glutoblobs, si vous les connaissez pas, c'est ces gros machins là bleus. Alors c'est assez chiant, c'est que même moi, ça m'est déjà arrivé de me faire avoir comme un aube en fait. C'est ça gloute, donc glouter, ça veut dire que il t'avale en fait. Donc c'est super sympathique, c'est que tu crèves en un seul coup, ça te hausse. Donc t'as l'air un peu bête quand ça t'arrive. Surtout quand t'es HL. Encore, moi je suis pas un gros niveau non plus. J'ai fait les deux chasses sans faire exprès d'ailleurs. Y a pas de combat parce qu'ils vont plus vite que moi. Non, même pas, je suis plus vite que eux. Il est là. Donc ça, c'est là. Ouais, voilà, il y a 6 salles. C'est bien ce que je pensais. Pouh, je commence premier, c'est parfait. J'ai pas mal d'initiatives, je trouve. Que vous si une faille. Moi je joue piège, hein. Je me fais pas trop. Je m'embête pas là-dessus. Voilà, infini. Lui, il m'enlève des PO, donc c'est super sympa. Je ne peux rien faire. D'accord. Ouais, comme ça. Hop. Puis il a combien? 6. Je sais même pas s'il va aller là. Bon, donc ça c'est l'avant-dernière salle. Donc je peux pas vraiment vous demander votre avis parce qu'on n'est pas en direct. Sur quel donjon on devrait faire? Quel donjon, quel boss on devrait faire? Donc je vais prendre un coco, hein, tout simplement. Pas m'embêter l'esprit là-dessus. Heureusement que il a pas de CPM, j'ai même pas regardé. Bref, sur ce, donc je vais prendre le coco, donc ça va pas durer très très longtemps. Alors la technique, donc vous voyez, du 100 000 en quelques minutes, et encore je mets assez de temps, parce que je lag à fond. Voilà, vous choisissez sur ce mobs là, sur ce PNJ, pardon. Et vous pouvez, donc vous expériez pas mal, on va dire du 300 000 sans châle, je pense, au niveau 60. Je veux pas dire de bêtises, parce que j'en sais rien du tout, ça varie vraiment du level et du groupe de personnages. Ensuite, que dire, que dire. Vous pouvez vous faire des camas en capturant, tout simplement. En capturant. Vous pouvez capturer vous pouvez capturer le boss, comme ça vous le vendrez ou vous le faites. En arène, vous le vendrez. Donc sur Sylvos, moi c'est 60 000 camas quand le marché est vraiment bon. Mais pour quelqu'un qui est assez bas level, je pense que ça c'est pas trop mal. Bon, je vais les attendre hein, parce qu'ils sont chiants. La flemme. Ils partent tous. Alors ça c'est un truc très chiant avec les blobs. Tout ce qui est dans les blobs, ils se barrent tous. T'as beau, tu mets des pièges et tout, tu fais ton petit truc pour leur faire mal. Et là, poum!
Allez, ça y est, ils sont tous partis. C'est la fête, c'est la fête. Ah, puis je peux rien faire avec un SRAM de loin. Qu'est-ce que je peux faire moi? Non, par remettre des pièges et. Non, ça sert totalement à rien. Ah, si, j'ai trouvé. Ouais, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû y aller directement parce que là j'ai perdu du temps, mais énormément de temps. Surtout, je suis sûr et certain qu'ils vont faire le tour. Voilà, ça commence. Coup, je vais les canarder. On finira un. Oh là là, la PO, la PO, la PO. Dieu, 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 donnez-moi de la PO. Allez, venez! Je sais même pas quoi faire. Allez, tiens. Bref, là, je perds énormément de temps. Normalement, ça devrait déjà être fini pour le BR. Voilà, super, il s'est pris du 200, youpi. Et il me refait son truc. Mais il m'en a fait deux. Non, il m'en a fait qu'un seul. Donc oui, si vous voulez communiquer avec moi, donc je suis sur le serveur Sylvos, donc mon personnage c'est Mars Ross, donc je vous laisse un petit peu, c'est bon. Je suis pas très doué hein, pour tout ce qui est communication de toute façon. C'est pas vrai, mais je me fais avoir, mais comme un bleu quoi. Alors ma guilde c'est Madbro, donc bon il n'y a jamais personne quand je fais des trucs. Voilà, donc voilà, mon petit bras droit, le bouffon, qui porte très bien son nom d'ailleurs. On a notre trésorier qui est très très riche. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Piquer ma PO. Non mais c'est pas possible, ça veut dire combien de temps cette merde? Là, ben je l'ai plus. Si. De tout. Catastrophe. C'est n'importe quoi, je les ai même pas touchés, ça fait 6 tours. Bon ben là il va juste prendre trop cher. C'est dès qu'il arrive il est mort. Puis en plus je vais pouvoir le taper, c'est ça qui est bon. Non même pas. On en a marre. Voilà. Donc je ne peux rien faire et il se rebarre. Putain mais c'est pas possible. Excusez-moi pour les grossièretés. Hein. C'est je pense que vous réagiriez pareil. D'avoir fait une grosse boulette comme ça. Voilà. Allez, on attaque. Hein. Tant pis. Hein. Voilà, j'ai fait 3 semaines. Ouais, c'est pas grave. Une dans le vide, tant pis. De toute façon, je pouvais rien faire avec. Donc, voilà. Alors, je n'ai pas encore de. Si vous allez peut-être me demander, parce que au début, oui, au tout début, bah, je risque pas d'avoir beaucoup de vues. Mais putain, mais c'est pas possible des bugs comme ça là. Non, on va espérer qu'ils repartent par derrière. Mais ça, faut pas y croire. Pourquoi il y a ici qu'un PM? Bref, je vais en conclure rapidement. Hein, ça va vite régler. Faire le gros bourrin. Super. Pourquoi? Je ne sais pas. Ouais. C'est bon ça. Moi lui il est fait. Comme ça j'aurai toute ma PO tout le temps. Mais pourquoi tu avances pas là? Ils font exprès de me bloquer. Ah là. Je vous jure. Il va peut-être venir, mais non. Mais ça, franchement, c'est la première fois que je vois un bloc royal qui s'éloigne. Là, je comprends rien du tout. À croire qu'il voit tous mes pièges. C'est n'importe quoi là. Je vais devoir me prendre mon piège de masse, hein, parce que je suis bloqué totalement.
J'ai une idée. Enfin, c'est pas une unité révolutionnaire non plus, de toute façon. Hop. Tiens, toi. Tu invoques, là, ça te prendra. Mais, n'importe quoi. Bon, allez, hop, c'est fini. J'espère que c'est fini. Oui, bon, je crois que c'est quand même assez. Bref, sur ce, c'était très très long et ça servait à rien. Donc voilà, on drop un morceau de clé coco. Donc soit vous faites des clés multi-blocs royales, et des blocs d'ailleurs, parce que vous dropez des fleurs de blocs. Pour faire des clés, bah, multi-blocs et blocs. Je vais pas vous faire le multi, parce que déjà je viens de mettre 3 ans pour... De toute façon, j'ai pas de clé, super. Je viens de mettre 3 ans pour le donjon blob parce que je ne sais pas quoi dire et en plus j'ai pas eu de chance. Mais sur ce, j'ai quand même pas été touché donc ça revient un peu au même. Bref. Sans qu'on s'est mis sur moi parce que j'avais mis un mode marchand ici. C'est une blague. Non, bah non, je l'ai enlevé. Voilà, donc je vous ai présenté tout, il me semble. D'autres techniques. Non, je vais même pas vous parler de techniques, parce que je vais vous quitter sur ça. Donc voilà, c'était Mars Rocks de Mad Bro. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, et sur ce, à